Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne du chuchoteur ASMR. Tout d'abord, meilleurs vœux pour 2014. Santé, sérénité, sagesse. Je m'excuse, entre guillemets, d'avoir été absent pendant un peu plus d'un mois maintenant. Mais j'avais quand même pas mal de boulot et j'ai pas mal voyagé. Donc, alors j'ai pas fait le tour de la Terre non plus, mais mon travail m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai tenté de faire des vidéos là où j'étais, mais honnêtement c'était un peu compliqué. Donc voilà. Et durant ces voyages, j'ai vu pas mal de choses, dont un livre. Donc je vous annonce tout de suite que cette vidéo est un peu particulière. On va faire ce qu'on appelle une lecture érotique. J'ai aucun problème à lire ce genre de bouquin. Et j'ai aucun problème non plus à l'assumer. Le livre que je vais vous présenter, alors bien évidemment je ne vais pas vous lire dans sa totalité parce que déjà ça va être trop long. Et puis de toute façon on ne peut pas. Je vais vous lire quelques passages. Et je vais tenter de vous faire découvrir. Cette vidéo s'adresse, on va dire, essentiellement aux femmes. Parce que le bouquin en question s'appelle Les 50 nuances de Grey. Donc je pense que beaucoup de femmes le connaissent. Et pour celles qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à l'acheter. Parce que c'est un livre qui est fait pour vous, de toute façon. Et j'ai découvert moi ce livre un peu par hasard finalement, il y a un mois dans un avion. J'étais en avion et je voyais une femme qui était complètement plongée dans une lecture. Donc j'avais pas forcément tout de suite reconnu la pochette. Mais je la voyais, elle était complètement hypnotisée par ce livre. Et c'était même assez marrant parce que on sentait qu'il y avait une bulle autour d'elle. Elle avait complètement oublié ce qui se passait autour d'elle dans l'avion. Et donc en me renseignant un petit peu, je me suis permis à un moment donné de la couper. Elle m'a expliqué ce que c'était, d'où ça venait tout. Et effectivement, j'avais déjà entendu parler l'année dernière de ce livre, dans une émission, enfin, aux USA. Ça avait même fait un mini-scandale, mais presque. Donc c'était assez intéressant. Et vu que je suis toujours à la recherche de choses particulières, j'ai acheté ce livre. Mais sous un format numérique. Donc j'espère que quand je vais vous lire quelques passages, ça sera assez clair, parce que je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué. Et de lire sur un ordinateur à cette heure-ci, c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, parce que je sais pas si les déclencheurs ASMR peuvent être mêlés à une lecture érotique. J'ai le sentiment que oui. Mais vous êtes ce juge, donc j'attends vraiment vos impressions par rapport à cette lecture. Je ferai des lectures de tout petits passages, une petite page ou deux, mais pas plus. J'essaierai de lire le plus clairement possible, le plus distinctement possible. Alors pour vous donner un peu le pitch, c'est un livre, donc Les 50 nuances de Grey. J'insiste encore, c'est une romance érotique qui va... c'est très chaud, hein, je préfère vous le dire. Ça se déroule essentiellement à Seattle. Ce récit est le premier d'une trilogie qui retrace la relation entre un jeune diplômé en littérature, Anastasia Steele, et un homme d'affaires, Christian Grey. Il contient des scènes explicitement érotiques mettant en vedette des éléments de pratique sexuelle impliquant la servitude, la discipline et différentes déclinaisons du sadisme et du masochisme. Pardon. Donc voilà, ça c'est pour vous donner déjà une idée. Donc là forcément, on va lire des passages du premier tome. Donc ça a été écrit par Erika Leonard James, qui est plus connue avec le nom de E.L.
James. C'est assez marrant parce que il semblerait qu'en fait cette dame-là, en fait, cet écrivain-là, avait écrit sur son site internet, je pense, et cette lecture était gratuite. C'était gratuit pour tout le monde. Et je pense qu'il y a un éditeur qui est tombé dessus un peu par hasard et qui lui a dit, oulala, il faut retirer, faut tout de suite retirer ça parce qu'on va pouvoir en faire un livre. Et c'est devenu un best-seller. Ça a été vendu, enfin je sais plus, en Italie 900 000 exemplaires, en Australie 1,2 million, enfin c'était assez. C'est incroyable quoi. Donc Anastasia Steele, je vous explique rapidement les deux personnages principaux du roman. Anastasia Steele, c'est une jeune diplômée en littérature, donc âgée de 21 ans, brune, aux yeux bleus. Elle n'a jamais eu de relation sexuelle, ni sentimentale. Son père biologique est mort, peu de temps après sa naissance. Son enfance a été marquée par les nombreux remariages de sa mère. Christian Grey, lui, il a 27 ans et appartient à une famille de trois enfants, tous adoptés. Une partie de son enfance s'est passée avec sa mère. Entre guillemets, donc prostituée, accro, crack, qui se suicide, et le mec qui les battait, lui et sa mère. Cela fait de lui une personne traumatisée, qui n'aime pas être touchée, et souffrant de haine ressentie envers lui-même. Voilà, ça c'est pour vous expliquer rapidement, et pour vous poser le décor. Ça, je vais le couper. Et je vais vous montrer deux, trois petits trucs. Alors tout d'abord, dans ce livre, on vous explique assez rapidement que il y a des règles qui ont été établies, en fait, dans un contrat. Contrat qui a été passé entre Anastasia Steele et Christian Grey. Donc je le répète pour la dernière fois, c'est une lecture érotique. Destiné aux plus de 18 ans, je prendrai mes dispositions pour limiter cette vidéo aux gens qui sont concernés. Et va pas falloir avoir. Comment je vais vous dire ça? Faudra pas être farouche quoi pour ce genre de lecture. Mais je vous cache pas que je suis assez curieux de voir votre réaction, ou de lire vos réactions. J'ai dans l'idée de toute façon qu'on peut tout essayer, parce que pour moi, cette vidéo est un essai, donc j'ai pas de limite. Et je pense que c'est que ce livre, en lecture ASMR, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant et de... comment dire... Enfin, on peut passer un bon moment, je pense. Donc, voilà. Donc là, je vais vous lire les règles du contrat qui ont été établies entre Anastasia Steele et Christian Grey. Donc, tout d'abord... Excusez-moi, je vais essayer vraiment de lire le plus lentement possible. Tout d'abord, vous avez le chapitre de l'obéissance. La clause obéissance. Donc, la soumise obéira immédiatement et avec enthousiasme à tous les ordres donnés par le dominant. La soumise acceptera toute activité sexuelle estimée opportune et agréable par le dominant, à l'exception des activités figurant dans la liste des limites à ne pas franchir. Après, vous avez une clause pour le sommeil. La soumise fera en sorte de dormir 7 heures par nuit au minimum lorsqu'elle n'est pas avec le dominant. La nourriture. La soumise mangera régulièrement les aliments prescrits pour rester bien portante. La soumise ne grignotera pas entre les repas, à l'exception de fruits. Après, vous avez les vêtements. Pour la durée du contrat, la soumise ne portera que des vêtements approuvés par le dominant. Le dominant fournira un budget vestimentaire à la soumise, que la soumise utilisera dans son intégralité. Le dominant accompagnera la soumise pour acheter des vêtements lorsqu'il le jugera opportun. Si le dominant l'exige, la soumise portera pour la durée du contrat toutes les parures imposées par le dominant en présence du dominant
et à tout moment jugé opportun par le dominant. Après, vous avez l'exercice, donc ça va très loin. Le dominant fournira à la soumise un coach personnel, 4 fois par semaine pour une séance d'une heure, au moment qui conviendront au coach et à la soumise. Ce dernier rapportera au dominant les progrès de la soumise. Ensuite, hygiène personnelle et beauté. La soumise sera propre et rasée, épilée en tout temps. La soumise se rendra dans l'institut de beauté désigné par le dominant au moment choisi par lui et se soumettra à tous les traitements qu'il jugera opportuns. Sécurité personnelle. La soumise n'abusera pas d'alcool, ne fumera pas, ne prendra pas de drogue et ne s'exposera pas à des dangers inutiles. Qualité personnelle. La soumise n'aura pas de relation sexuelle avec un autre que le dominant. La soumise se comportera avec respect et pudeur en tout temps. Elle doit reconnaître que son comportement a des conséquences directes sur la réputation du dominant. Elle sera tenue responsable de toute faute, méfait ou inconduite commise en l'absence du dominant. La dernière clause qui régit en fait ce contrat. Toute infraction aux clauses ci-dessus entraînera une punition immédiate dont la nature sera déterminée par le dominant. Voilà, ça c'est pour vous expliquer en fait assez rapidement les clauses de leur contrat. Donc ils ont établi ensemble. Je suis désolé, je suis un peu malade. J'ai un peu la voix enrouée. Donc je vais essayer de pas trop tousser. Commencez déjà à dormir, c'est malheureux. Parce qu'il y a vraiment des trucs à entendre. Donc je vais vous faire une première lecture juste une petite page. Alors, il répand des baisers légers, comme des plumes autour de mon oreille, sur ma nuque. Sa main frôle ma taille, survole ma hanche, glisse le long de ma cuisse vers l'arrière de mon genou. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il change de position pour se placer entre mes jambes. Sa main remonte de ma cuisse à mes fesses, qu'il caresse lentement. Puis ses doigts glissent jusqu'à mon entrejambe. Je vais te prendre par derrière, Anastasia. De sa main libre, il saisit mes cheveux sur ma nuque, les enroule dans son poing et tire dessus pour m'immobiliser la tête. Je suis cloué sous lui, sans défense. Tu es à moi, rien qu'à moi, ne l'oublie jamais. Sa voix est enivrante, ses paroles grisantes, séduisantes. Je sens son érection contre ma cuisse. Ses longs doigts massent délicatement mon clitoris, d'un lent mouvement circulaire. Son souffle est doux sur mon visage, tandis qu'il mordille la ligne de ma mâchoire. Tu sens divinement bon. Il frotte son nez derrière mon oreille. Ses mains caressent mon corps en cercle concentrique. Mes hanches ondulent sous l'effet d'un plaisir d'une intensité presque douloureuse. Ne bouge pas, m'ordonne-t-il d'une voix douce mais urgente. Lentement, il insère son pouce en moi pour caresser la paroi antérieure de mon vagin. C'est hallucinant. Toute mon énergie se concentre sur cette petite parcelle de mon corps. Je gémis. Ça te plaît ? Ses dents effleurent mon oreille. Il commence à plier et déplier son pouce tout en continuant de caresser mon clitoris. Je ferme les yeux et tente de maîtriser ma respiration, d'absorber les sensations désordonnées et chaotiques qui déchaînent ses doigts. Je gémis encore. Tu mouilles tellement vite, tu es tellement réceptive, ça me plaît, Anastasia. Ça me plaît énormément. Je voudrais tendre les jambes, mais je ne peux pas bouger.
Il me cloue sur place, tout en maintenant le rythme constant et tortueux de ses caresses. C'est absolument exquis. Je gémis de nouveau, et il se déplace tout d'un coup. Ouvre ta bouche, m'ordonne-t-il. Il enfonce son pouce, mes yeux s'écarquillent, et cligne frénétiquement. Je veux que tu te goûtes, me souffle-t-il dans l'oreille. Son pouce appuie contre ma langue. Ma bouche se referme dessus. Je suce frénétiquement, un goût salin, la vague râle métallique du sang. Merde alors, c'est un peu dégoûtant, mais putain, qu'est-ce que c'est érotique. Je vais te baiser la bouche, Anastasia. Et je le ferai bientôt. Sa voix est rauque, sa respiration irrégulière. Me baiser la bouche, je gémis et lui mord le pouce. Il pousse un petit cri étouffé et tire plus fort sur mes cheveux, alors je le lâche. Vilaine petite fille, souffle-t-il en tendant la main pour prendre un préservatif. Ne bouge pas. Il déchire l'emballage tandis que je le halète. Le corps en feu, grisé par l'attente, me faisant porter le poids de son corps, il attrape de nouveau par les cheveux. Il m'attrape de nouveau par les cheveux pour m'empêcher de bouger. Je suis sa captive. Et il s'apprête à me posséder. On va y aller très doucement cette fois, Anastasia. Et lentement, il me pénètre. Lentement. Lentement. Jusqu'à ce qu'il soit complètement fouillé en moi. Je me distends. Il me remplit. Impitoyable. C'est encore plus profond cette fois, encore plus délectable. Je geins tandis qu'il ondule des hanches, se retire, attend un moment, s'enfonce à nouveau, encore et encore. Ça, c'était la page 139 et 140. Je suis en train de lire en même temps parce que j'ai fait quelques sélections. Ah ouais, celui-là, il est pas mal aussi. Observe attentivement lorsque je reviens. Merci, dit-il en prenant le verre. Lentement, il avale une gorgée d'eau et pose le verre sur la table de chevet où se trouve un emballage, argenté et prêt à l'usage. Comme moi. Mon cœur bat plus vite. Il tourne son regard brillant vers le mien. Viens près de moi, comme tout à l'heure. Je m'avance. Le sang bouillonne dans mes veines et cette fois, je suis vraiment excité. Demande-moi. Dit-il doucement. Je fronce les sourcils. Lui demander quoi ? Demande-moi, répète-t-il d'une voix légèrement plus dure. Lui demander quoi ? Si son verre d'eau était bien frais, qu'est-ce qu'il me veut ? Demande-moi, Anastasia. Je ne me répéterai pas. Sa voix recèle d'une telle menace voilée que je comprends tout d'un coup qu'il veut que je lui demande la fessée. Merde alors. Il attend. Son regard est de plus en plus froid. Donnez-moi la fessée, s'il vous plaît, monsieur. Il ferme un instant les yeux pour savourer mes paroles. Puis il saisit ma main gauche et tire dessus. Je tombe aussitôt. Il m'attrape quand j'atterris et me cale sur ses genoux, de façon que ma poitrine repose sur le lit à côté de lui. Cette fois, il ne m'immobilise. Pas avec sa jambe, mais repousse mes cheveux de mon visage, avant de les empoigner au niveau de ma nuque. Il tire dessus doucement, et ma tête se renverse en arrière. Je veux voir ton visage pendant que je claque les fesses. Ah, pardon. Je veux voir ton visage pendant que je te claque les fesses, Anastasia, murmure-t-il en frottant doucement mon cul.
Sa main s'insère entre mes fesses et pousse contre mon sexe, ce qui enfonce les boules en moi, cette sensation de plénitude. C'est exquis. Donc là, vous avez noté qu'on parle de boules de geisha. Cette fois, c'est pour le plaisir, Anastasia. Le tien et le mien, me chuchote-t-il. Il abat sa main à l'endroit où se rejoignent mes cuisses, mes fesses et mon sexe. Ce qui fait pénétrer les boules plus avant. Je m'enlise dans un bourbier de sensations. La brûlure de mes fesses, les boules qui me remplissent, le fait qu'ils me maintiennent. Je remarque confusément qu'il n'a pas claqué aussi fort que la dernière fois. Il caresse à nouveau mon cul en lissant ma peau et ma culotte. Pourquoi ne m'a-t-il pas retiré ma culotte? Sa main s'abat de nouveau sur moi et je gémis. Il prend le rythme, de gauche à droite, de haut en bas. Les claques vers le bas sont les plus délicieuses. Elle repousse les boules jusqu'au fond. Et, entre les claques, il me caresse, me malaxe. Je suis massé à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une sensation stimulante, érotique. Et parce que c'est moi qui l'ai demandé à fesser, la douleur ne me gêne pas autant. Ce n'est d'ailleurs pas douloureux, en tout cas pas insupportable. Ce serait même agréable. Je geins. Oui, ça je peux. Il s'arrête pour me retirer lentement ma culotte. Je me tortille sur ses jambes. Pas pour échapper à ses coups, mais pour aller à la rencontre de sa main. Dont le contact fait picoter ma peau, hypersensible. Et puis il recommence. Quelques tapes douces, puis plus cinglantes, de gauche à droite, de haut en bas, plus bas, de grâce plus bas. C'est bien Anastasia, gémit-il, le souffle irrégulier. Il me fesse encore deux fois, puis tire sur le cordon qui relie les boules et me la retire brusquement. Je jouis presque tellement que c'est une sensation hallucinante. Il me retourne. J'entends la déchirure dans l'enveloppe. Puis il s'allonge à côté de moi. M'attrape les mains. Les hisse au-dessus de ma tête. Et me pénètre. Glissant lentement en moi. Me remplissant là où se trouvaient les boules. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est assez... C'est bien écrit. C'est bien formulé. Et je comprends pourquoi maintenant toutes les filles et femmes que j'ai conseillées justement pour acheter ce livre, tout le monde devient dingue quoi, en fait. Toutes les filles à qui j'ai conseillé ça deviennent complètement hystériques quand elles lisent ça. Elles ont même déjà acheté le tome 1, tome 2, tome, enfin, tome 2 et tome 3, etc. Donc c'est assez marrant quoi. Ça, je vais pas vous lire parce que c'est pas très intéressant parce que c'est une suite logique en fait sur l'histoire. Voilà, celui-ci peut-être. Voilà, je vais vous lire le dernier passage. Alors, il déroule le préservatif sur son érection et me pénètre sans préliminaire en clouant mes poignets au bureau. Je geins. Putain, Anna, qu'est-ce que tu mouilles, murmure-t-il, sur le ton de la vénération. Je lui enlace la taille de mes jambes, pour l'étreindre de la seule façon qu'il tolère. Il reste debout à me fixer d'un œil brillant, passionné et possessif. Il commence à bouger à fond. Ce n'est pas faire l'amour, c'est baiser, et j'adore. C'est tellement cru, tellement charnel, je me sens tellement dévergondé. Je jouis d'être possédé par lui. Sa concupiscence assouvit la mienne. Il se meut en souplesse, se prélasse en moi pour prendre son plaisir. Les lèvres légèrement entr'ouvertes, le souffle court, il ondule des hanches, et cette sensation est exquise.
Je ferme les yeux. Ça commence à monter. Une montée délicieuse, inexorable, qui me hisse toujours plus haut vers notre château dans les airs. Il accélère. Je gémis bruyamment. Je ne suis plus que sensation, tout à lui, jouissant de chaque coup de rein, de chaque poussée qui me remplit. Plus vite et plus fort. Et mon corps tout entier se meurt à son rythme. Mes jambes se raidissent. Mon corps frémit. Allez bébé, laisse-toi aller, m'encourage-t-il. Danserai. Ce désir fervent dans sa voix, sa tension, me fait basculer. Je pousse un cri en touchant le soleil. Je m'enflamme et je retombe sur terre, ébloui, aveuglé. Il s'enfonce brutalement en moi et se fige soudain pour jouir en tirant sur mes poignets avant de s'effondrer sur moi sans un mot. C'était imprévu. J'atterris lentement. Putain, qu'est-ce que tu me fais, souffle-t-il, en frottant son nez dans mon cou. Tu m'ensorcelles, Anna. Tu es une magicienne. Il me lâche les poignets. Je passe les doigts dans ses cheveux tout en reprenant mes esprits et resserre mes jambes autour de sa taille. C'est toi qui m'ensorcelles. Il me contemple, déconcerté, presque apeuré, et prend mon visage entre ses mains. Tu es à moi, martèle-t-il en séparant chaque mot. Tu es à moi, tu comprends? Qu'est-ce qu'il est sérieux tout d'un coup, passionné, presque fanatique. Sa déclaration inattendue me désarme. Pourquoi est-il si ému? Troublé par sa ferveur, je lui murmure. Oui, je suis à toi. Voilà. C'était deux ou trois petits passages du livre. 50 nuances degrés. Je vous invite vraiment à l'acheter. Je sais pas si ma lecture vous a entre guillemets convaincu. Je sais pas non plus si la lecture a été claire et la vitesse adaptée. Donc j'attends vraiment vos réactions et vos commentaires là-dessus. J'attends aussi vos commentaires sur le fait que est-ce que vous pensez qu'une lecture érotique sur une vidéo de déclencheur ASMR peut être compatible? Est-ce que c'est pas une maladresse de ma part d'avoir voulu tenter cette chose-là? Même si c'est une lecture qui est prévue pour, enfin qui est destinée aux femmes, moi qui est un homme, j'ai beaucoup apprécié de lire ce livre, vraiment, que j'ai dévoré d'ailleurs en 2 jours. Donc, il y a un tome 2 et un tome 3. Si l'expérience vous a plu, et si vous avez trouvé ça intéressant, et surtout positif, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir. Parce qu'il est fort possible que je reproduise ce genre d'expérience avec vous par la suite. Voilà, bien d'autres vidéos vont arriver. Je pense peut-être même créer une page Facebook. En fait, j'ai plusieurs mails où les gens m'ont dit ça serait intéressant de discuter ensemble, que c'est vrai que par mail interposé c'est pas forcément évident, donc j'y songe, je vais essayer de mettre ça en place. Donc voilà, je vous avais prévenu, j'aime bien faire des tests, hein, des tests un peu particuliers et atypiques, donc ça a été le cas. J'attends, je me répète encore une fois, j'attends vraiment vos réactions et surtout vos sensations en fait par rapport à ça. Surtout savoir si j'ai pas fait un geste maladroit par rapport à ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Et bon réveil pour ceux qui commencent leur journée. À bientôt.